Comme elles sont lourdes ces courses. Et maintenant il faut tout ranger. Maman! Oh, mes filles chéries sont arrivées. Maman, j'ai invité Clara. Bonjour, Madame Pinison. Et j'ai aussi invité Aria. Bonjour, Madame Pinison. Maman, elles peuvent rester manger? Bien sûr, pas de problème. Je reviens juste du supermarché, donc on a de tout. Super! On reste manger ici, oui! Super! On peut aller jouer dans ta chambre, Anna? Bien sûr, allons-y. Oh, bonjour, Laura. Quelle surprise. Mais pourquoi tu as tant de valises? Oh, les enfants, comme vous avez grandi. Ils sont très beaux, Laura. Oh, Sonny, je suis désolée. J'aurais dû t'appeler avant, mais tout s'est fait si vite. On m'a prévenu aujourd'hui, que je dois aller à Paris pour le travail. Je dois rester là-bas plusieurs jours. Et comment je fais avec les enfants? Mon mari est en déplacement, mes parents sont partis en croisière. Je n'ai plus que toi, Sonny. Ne t'inquiète pas, Laura. Je garde les enfants sans problème. Tu sais qu'ils s'amusent très bien ici avec Anna et Olivia. Et n'oublie pas de profiter un peu, en plus de travailler. Tu pars à Paris? Amuse-toi bien, Laura. Les enfants, on va bien s'occuper de vous. Vous allez beaucoup vous amuser ici, pas vrai? Oh, mes chéries, je vous téléphonerai dès que j'arrive à Paris et je vous enverrai plein de photos et de textos. Mouah, mouah, comme je vous aime, les enfants. Bon voyage, Laura. Merci, Sonny, merci beaucoup. Au revoir, maman. Au revoir, on va bien s'amuser. J'adore ta maison, Anna. Tu peux avoir plein de choses. C'est vraiment incroyable que tes parents te laissent avoir tous ces animaux dans ta chambre. Eh bien, c'est simplement que notre famille adore les animaux. Tu sais quoi? Je crois que plus tard, tu seras vétérinaire. Et moi, les filles, j'adorais être joueuse de foot. Et toi, Clara? Moi? Moi, je vais être une grande star de cinéma, une super actrice reconnue de partout et que tout le monde me prenne en photo. J'adore chanter, danser et jouer des rôles. Bonjour la famille. Oh, les enfants de Laura sont ici. Oh, il y a du mouvement, hein, Sonny? T'inquiète pas, ma chérie, j'arrive tout de suite. Je me change et je te donne un coup de main. Je m'ennuie un peu. Vous en avez pas marre de passer autant de temps à l'ordinateur et avec la voiture? Je viens d'avoir une super idée. Est-ce que vous aimez sauter? Oui, oui, oui. On adore, on adore, ouais. On sautera? Venez avec moi, j'ai une chose dans ma chambre, vous allez l'adorer! Tournez-vous et vous verrez cette merveille! Waouh, super! C'est un trampoline! Eh bien moi, je ne veux pas! Je pensais que ta super idée serait une autre! Ce n'est pas grave, Olivia, on saute tous les deux! Waouh! C'est rigolo! Sautez, sautez! Allez, plus haut! Plus haut, bien, vas-y! Je viens de me donner. tu es tombée, nananer. Maintenant, oui, je monte. Waouh. Comme c'est rigolo, je vais sauter plus haut que vous. Nananer, youpi. Je mets le poulet dans le four. Oh oui, oui. Et les enfants, ma chérie, ils sont passés où? Anna a invité quelques copines et elle joue dans sa chambre. Et Olivia joue avec les enfants de Laura. Eh bien, dis donc, nous avons la maison pleine de monde. J'aurais dû mettre deux poulets au lieu d'un seul. Ne t'inquiète pas, Charles, je fais une soupe de légumes aussi. D'accord, je vais dire bonjour aux filles. Ah, c'est quoi ce bruit? Oh, on dirait une tempête. Aïe, j'ai peur, les filles. Vite, allons nous cacher. Oh, j'ai peur, vite, descends. On doit partir d'ici, quel bruit horrible. Ne vous inquiétez pas, j'ai la meilleure cachette secrète pour les tempêtes. Oh, il semble qu'on va avoir une grosse tempête. Les filles, où êtes-vous? Ah, vous n'êtes pas là? Là non plus? Comme c'est étrange. On entend des bruits dans l'armoire. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'armoire? Allez, sortez tous de là. Par ici aussi, il y a des bruits étranges. Ah! Qu'est-ce que vous faites tous dans la baignoire? Et cachés sous cette couverture? Les filles, c'est juste une tempête. Oh là là, quelle patience. Allez, sortez tous de cette baignoire. Seulement une tempête? Seulement une tempête, vous êtes sûrs? Sûr et certain. Allez, venez en bas. Le poulet doit être cuit parce que ça commence à sentir bon.
Allez, à table les enfants. Miam, ça sent super bon. Les enfants, le repas est prêt. Je ne sais pas ce que papa racontait d'avoir peur, parce que moi, j'avais pas peur. Je me suis juste mise dans l'armoire pour que les enfants de Laura ne se sentent pas seuls. Bien sûr, Olivia. Je suis sûre que c'est ça. Allons à table. Les enfants, il semble que la tempête va durer toute la nuit. Du coup, j'ai appelé vos parents. Ils sont d'accord pour que vous restiez dormir ici cette nuit. Oh, ouais, génial! Oui! C'est archi et super clair que ce que je vais demander, ce n'est pas pour moi. Oui? Je crois que qu'on devrait dormir tous ensemble parce que les enfants de Laura ont peur. Tu es sûre que tu dis ça seulement pour les enfants de Laura, Olivia? Comme je te connais. Allez, venez tous avec moi dans ma chambre. Vous verrez ce que j'ai préparé. Waouh! C'est le paradis! C'est un rêve devenu réalité! Une maison en carton! C'est absolument parfait! Elle est trop mignonne! Elle a même des petites tuiles! Comme elle est belle! J'ai plein de super idées! On peut amener tous nos jouets ici! Ma petite cuisine, ma coiffeuse et même le berceau de ma poupée! Venez tous, allons dedans! Vous savez quoi? À partir de maintenant, j'adore et je super adore les tempêtes!